sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et on va les découvrir dans quelques secondes. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Ça ressemble à un 4-5-1. Sur le papier, c'est un système très compact et défensif, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il est bien possible que ça a évolué, par exemple, en 4-3-3 en attaque. Ce n'est pas parce qu'on a un milieu de terrain ultra fourni qu'on va se contenter de défendre. Détrompez-vous. Nous réserve ce match. Pépé. Il repique dans l'axe. Il tire. Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Lumineuse. Il tente de la jouer dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. Oh, l'inspiration! Un grand dégagement le plus loin possible. Jouer long, attention. Il joue en retrait. Quelle passe. Le bon dribble. Quelle frappe. Attends, au chapeau. Quelle parade. Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Pas tout. C'est clair. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il joue long, il allonge, pourquoi pas. Lille qui cherche l'ouverture. Oui, il peut frapper là. Encore un geste décisif du gardien. Arrêt fantastique, quel réflexe. Oh, le bon ballon. C'est une occasion, ça. Voilà une bonne occasion de contre. À lui de bien jouer le coup, maintenant. Green. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir.
un moment important, surtout ne pas prendre de but maintenant. L'occasion d'ouvrir le score. Tout en puissance, mais ça frôle le cadre. Sans avoir réussi à faire la différence dans ce match, c'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. On a vu les stats, et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Sous la dent niveau but, 0-0. Interception au bon moment. Passe en retrait vers son défenseur. Long ballon dans le sens du jeu. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux pour trouver la faille dans la défense. Il a du champ sur le côté. Un ballon devant la cage. Thiago Maia. Ce contre peut très bien aller au bout. Se recentre. L'ouverture sur le côté. Il joue dans l'espace. Au ballon dans la profondeur. Le bon dégagement. L'assistant lève son drapeau. Là, ça s'est joué à un cheveu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Le gardien loin devant. Et c'est directement récupéré. Sur l'aile. Excellent repli défensif. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Le long dégagement du gardien. Il glisse le ballon en profondeur. La bonne passe. C'est dégagé loin. Ah, mais quel dommage, quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Quelle fait du bien cette interception. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. La frappe, attention. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Fine, ça joue à gauche. Bonne intervention. L'arbitre siffle.
match nul, 0-0, et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, il a manqué des buts dans cette rencontre. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Et bien, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la défaite. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. C'est toujours un plaisir partagé.